L'enfant terrible de la literatura francesa passa per Barcelona sota grans mesures de seguretat. Michel Houellebecq ha d'anar amb escorta des de la publicació de la seva darrera novel·la, justament el mateix dia de l'atemptat de Charlie Hebdo. A Submissió, Houellebecq planteja una França governada l'any 2022 per un president islamista. Sempre polèmic, aquest cop tenia molt clar quin efecte volia provocar. Oui, chercher un malaise général. Chercher à provoquer le malaise, j'ai assez bien réussi. Oui, vous devez être ravi. Ça a dépassé mes espérances, dirais-je même. Ouais. Vous aimez être polémique? Bon, parfois il faut. Donc le discours, l'opinion qui prévaut, qu'on est censé soutenir officiellement, est quand même trop bête, quoi. Enfin, trop éloigné de la réalité. Plutôt être bête, c'est plutôt un avantage. Mais vous savez, c'est l'idée. Les gens ont leur foi privée, c'est sympathique. Ils ont leur... Les musulmans font le ramadan, c'est sympa. Les chrétiens font Noël, c'est sympa. Tout ça est très sympa et se résout une république laïque encore plus sympa, qui admet tout joyeusement. C'est pas du tout ça, la réalité. La réalité, c'est que les religions ont des conséquences politiques et tendent à avoir des positions politiques et à prendre le pouvoir si possible. Est-ce que vous êtes religieux, vous, monsieur Houellebecq? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Non, en principe, je suis agnostique. Est-ce que vous voudriez être plus religieux? Oui, j'aimerais bien. Dès que les gens meurent autour de vous, vous dites que c'est quand même triste que les gens meurent. Quoi. Vous voudriez qu'ils vivent éternellement, qu'on se retrouve dans le paradis et tout ça. C'est l'idée est séduisante. Donc du coup, l'athéisme, oui, on prend... Enfin, je sais pas, c'est triste, quoi. C'est triste, une vision du monde qui est triste. Mais est-ce qu'on peut choisir de devenir religieux? Ben, c'est une très bonne question. Beaucoup, beaucoup traité par Pascal en son temps, qui affirme que oui. C'est genre, faites semblant d'être religieux, la foi viendra, du coup. Vous avez essayé, vous? Pas vraiment, mais c'est pas le temps, pas le temps, mais... Est-ce que vous préparez un prochain roman? Pas du tout. Rien du tout? On prépare rien du tout. C'est parfois fatigant de publier un livre. Enfin, disons que parfois, l'envie d'écrire est une chose, l'envie de publier est une autre, quoi. Enfin, l'envie de publier, de faire connaître le public est une autre, très différente, et l'envie d'écrire peut persister et l'envie de publier diminuer. Le cas s'est déjà produit. Bon, il y a un désir d'être célèbre, aimé, tout ça, mais c'est différent du désir d'écrire. C'est un autre désir qui se superpose. Mais en fait, vous êtes célèbre parce qu'on parle de vous. On utilise un mot qu'on n'utilise d'habitude pas pour les écrivains. On parle de la star, Houellebecq. Je suis une star, oui. Vous êtes une star? Oui. En tout cas, bon, si j'examine ça d'un point de vue général, c'est très bien qu'un écrivain soit une star. Hein. C'est tombé sur moi, alors est-ce que c'est justifié ou non? Plus ou moins. Je suis bon, mais enfin bon. Ouais. Mais il y a d'autres écrivains qui sont bons et on ne les appelle pas des stars. Non, pourquoi vous? Écoutez, je ne sais pas. Vous êtes dans les médias, vous êtes mieux à même de répondre que moi. Pourquoi? C'est vous qui avez fait de moi une star. Les médias. Mais en tout cas, vous êtes content d'être une star. Bon, ça dépend des jours. Disons qu'il... S'il faut des stars au monde, pourquoi pas moi, enfin.